Charlotte Bouteloup est là pour nous en parler de ce film. C'est un film qui va faire du bien. Un film qui va vous émouvoir et qui va vous faire beaucoup rire. C'est beau la vie quand on y pense. Nouveau film de Gérard Jugnot en tant que réalisateur. La dernière fois, c'était il y a 7 ans. Le rose et le noir, ça n'avait pas marché. Mais avant, Gérard Jugnot, il avait connu des succès. Souvenez-vous du très réussi Monsieur Batignolles, mais aussi de Meilleur espoir féminin ou encore d'Une époque formidable ou même de Boudu avec Gérard Depardieu. Son nouveau film raconte la rencontre entre un père dont le jeune fils est mort dans un accident de la route et un jeune garçon qui vient d'être greffé du cœur, greffé avec le cœur du fils décédé. Ce papa, joué par Gérard Jugnot, décide d'approcher ce jeune garçon parce qu'en fait, ce père ne s'est jamais occupé de son fils lorsqu'il était en vie. Alors, un petit peu pour apaiser sa conscience, peut-être, il veut se rapprocher du cœur de son fils. Donc, le point de départ du film, c'est quand même un sujet grave qui nous rappelle un peu Réparer les vivants, ce très joli film de Cattel qui l'est verré. Sauf que, oui, beaucoup d'émotions, mais là où c'est étonnant, c'est qu'il en a fait quand même une comédie. On rit beaucoup. Parce que le fils, il est totalement incontrôlable. C'est ça qui est drôle. Il reprend le principe du buddy movie, les deux que tout oppose. D'un côté, vous avez Jugnot qui joue le père renfrogné, bourru, et de l'autre, ce jeune ado complètement incontrôlable et très agité. Ce jeune ado, donc, joué par François de Bloch, 27 ans. Ce jeune garçon, c'est son premier grand rôle au cinéma, mais il a déjà un Molière, Molière de la révélation masculine. C'était en 2015, donc c'est un garçon qui sait faire du théâtre. Ça nous donne donc un film subtil sur les rapports père-fils. Vous allez être un petit peu ému avec votre petite larme. Et en même temps, Gérard Jugnot, la comédie, ça le connaît. Et vous allez bien vous amuser. Nous avons rencontré Gérard Jugnot. Bonjour. Merci d'être avec nous parce que je sais qu'en ce moment vous êtes en pleine tournée en province. Oui, ça se passe vraiment bien, quoi. Il y a beaucoup plus de rire que je ne pensais. Hein? Hugo, des loyers? Ton cœur, c'est celui de mon fils. Le café, c'est pas bon pour le cœur. Vous allez pas vous y mettre, j'ai déjà assez de ma grand-mère. Elle a raison, ta grand-mère. Il y a des gros moments de silence, puis des beaux applaudissements, et puis il y a des questions après. C'est une espèce de psychanalyse sauvage de l'œuvre. On se dit, c'est vrai, pourquoi je parle de ça? C'est assez marrant. Tu fais des cascades avec des scooters volés. Tu bois? T'as même volé un âne pour rentrer cette nuit. C'était une licorne. Cette idée, Gérard, il paraît que vous l'aviez en tête depuis un petit bout de temps. C'est l'idée du don d'organes, comme ça, qui vous... Oui, c'est surtout le cœur, hein, parce qu'il y a une symbolique dans le cœur qui n'est absolument pas scientifique. Pourquoi le cœur est le symbole de l'affect, ouais. De l'amour? On sait bien que c'est pas là. C'est dans le cerveau, l'amour, ou plus bas. Donc, l'idée que quand on transfère cet organe de l'affect, est-ce que l'affection va suivre? Je sais ce que tu penses, mais c'est pas ton fils. Être un bon père, selon vous, c'est quoi? Être un bon père, c'est faire ce qu'on peut. Et puis avec la chance de se rencontrer ou pas. Tu t'y connais en bagnole? Non, tu vas apprendre. On dirait la voiture de oui-oui. N'importe quoi. Moi, j'ai eu cette chance avec mon fils. Je l'ai rencontré un peu tard parce que j'étais aussi un peu centré sur mon métier. Et maintenant, on a une super connivence. Mais oui, c'est pas simple. Je crois qu'on peut pas élever les enfants en dehors de ce qu'on est. Tu t'intéresses à rien. Tu m'énerves. Bonjour. Comment vous appelez, mademoiselle? Eulide. Ah ouais, carrément. J'arrive même pas à savoir s'il manque des consonnes ou s'il y en a trop. Vous avez des souvenirs d'enfance là-bas, non, en Bretagne? Oui, j'étais en vacances chez Madame Leclos-Arec, à Loctudine. Elle avait le chauffe-eau sur la tête, elle était une bigoudaine. Et il y avait tout, quoi. Il y avait les crêpes, avec le crabe, le Queen Amman. Les dolmens, la pluie. J'ai ici quand j'ai besoin de réfléchir. Tu peux faire pas réfléchir au sec? C'est juste un grand. Qu'est-ce que t'as contre la Bretagne à la fin? Vous avez 42 mots pour parler de la pluie. C'est de l'eau qui tombe, les gars. Arrêtez d'essayer de nous embrouiller. Je suis allé dans le sud pour avoir le Mistral. Oui. Il n'y en avait pas, donc on a été chercher des ULM pour faire du faux vent. Et en Bretagne, on n'a fait que de la fausse pluie parce qu'il a fait beau pendant 4 semaines. Ah, c'est extraordinaire. Sauf le dimanche, quoi. Donnez-moi les dates, c'était quelle période? Septembre-octobre. Ah ouais, alors là. Et entre vous, c'est sérieux? Bah ça, le jour où je le saurai, on aura avancé. Hein. Isabelle Mingo, c'est une femme que vous connaissez bien parce qu'elle avait coécrit avec vous, oui, meilleur espoir féminin. Et j'ai voulu lui donner un rôle différent de ce qu'elle a d'habitude. Ouais. Moi, ça saute plus sur sa sensibilité et sa beauté, parce qu'elle a tout ça. C'est une belle personne. Moi aussi, je t'aime. Elle est perchée, hein, mais... Elle est perchée. Je l'adore. Toi et moi, on aime trop notre petit confort. Comme elle disait, je suis pas actrice, je voulais pas le faire. Ouais. Dès qu'elle se plantait dans une prise, ah bah, je l'avais dit, hein, je voulais pas jouer. Hein. On a préparé le film pendant l'Euro. Mm-hmm. Et donc, toute l'équipe technique m'appelait coach. Ah oui. Coach, est-ce que ça vous plaît, coach? Et je crois qu'un film, c'est ça, on n'est pas seul. Et quand vous avez une équipe formidable, vous volez à tous les talons de tout le monde. Après, jouer, ça me détend. Je suis sur le terrain et c'est mieux que d'être sur le banc de touche. Merci beaucoup, Gérard, et bravo. Merci à vous. C'est un
c'est à Cancale. Ça sort. Ça sort mercredi. Demain. C'est vrai qu'il aime bien la Bretagne, Gérard Jugnot. Meilleur espoir féminin a été tourné en Bretagne. Cancale. Et vous savez quoi, ce qui m'amuse, c'est qu'il prend soin du cœur de son fils mais quand il boit du café. C'est donc, ça. Du coup, maintenant, il a peur. Exactement. Donc, c'est, franchement, je trouve que c'est réussi. Ça sort demain, en même temps qu'un documentaire assez remarquable qu'il ne faut pas laisser passer, qui s'appelle « À voix haute, la force de la parole ». Tout d'abord, il y a eu une diffusion sur France 2 en novembre dernier. Ça a tellement bien marché, il y a eu un tel engouement que les producteurs et le réalisateur ont entièrement remonté ce documentaire pour le sortir au cinéma. Ça sort mercredi prochain. Alors, il est signé Stéphane de Freitas qui a créé, il y a 5 ans, un concours qui s'appelle Eloquentia et qui vise chaque année à élire le meilleur orateur en Seine-Saint-Denis dans le 93. Alors, en quoi ça consiste? Des étudiants de l'Université de Saint-Denis issus de cursus tout à fait différents, vont se préparer dans le but de remporter ce concours. Ils vont être aidés par des metteurs en scène, par des avocats, par des slameurs également, des as de la prise de parole, parce que oh combien c'est difficile, la prise de parole. On se rend compte, c'est assez formidable, du pouvoir des mots. Et surtout, c'est un documentaire qui déstigmatise complètement les clichés qu'on peut avoir sur une certaine population de banlieue. On découvre des profils atypiques, des personnalités attachantes et vraiment des stars de l'éloquence. Voilà, ça sort demain, à voix haute, la force de la parole. Je vous engage à y aller. Et vous pouvez aussi aller voir le film de Jugnot pour rigoler un peu. Ça marche, merci. On va retrouver Julia qui...